Je suis maintenant devant cette grande figure du trail qui est Martine Vollet. Martine, peux-tu nous dire pourquoi tout d'abord tu es venue aujourd'hui ici à la Michaille? Déjà parce que tu nous as un peu dit de venir, quoi. On n'avait pas prévu. Là, je peux pas te contredire. On n'avait pas prévu. J'ai passé le week-end chez mes parents, puis on s'est dit que finalement, c'était un peu sur notre route. Merci en tout cas, Martine. Voilà. Merci. Et puis finalement, je me suis régalée. Je trouvais super joli sur le plateau. Donc, je regrette pas d'être venue. D'accord. Alors, on peut en parler. Hein. Tu vas ensuite disputer le trail chez Rancemnose, après les Princes en foulée. Tout ça, c'est dans le cadre de ta préparation pour la Transpyrénéa, qui interviendra en mois de juillet, le 16, hein, il me semble. Hein. Le 19 juillet, le début. Ah, le 19 exactement juillet, voilà. Tu peux nous en dire un mot, c'est bien ça? C'est bien dans le cadre de ta préparation? Oui, c'est dans le cadre de ma préparation. Bon, j'ai pas vraiment... J'ai prévu quelques trails, mais j'ai prévu surtout beaucoup de sorties longues, parce que... Ouais. Je pense qu'on va beaucoup marcher, donc le but de ma course, c'est faire le GR10 de Banyuls à Hendaye, soit 900 km en 16 jours et 53 000 mètres positifs. D'accord. Là, en revenant à ta course, y a Laetitia, hein, tout à fait surprenante, hein, qui est quasiment inconnue dans le milieu de la course à pied, enfin qui est une Belge, hein, qui est basée à Gex. D'accord. Depuis 3 ans, dans une association quand même, hein, qui s'appelle Crapast. Hein. D'ailleurs, ils sont venus très nombreux, je les en remercie et félicite. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Il y a eu un véritable mano à mano. Elle m'a doublé pratiquement du départ, je l'ai toujours eu au point de vue. À un moment, elle s'est trompée. Je me suis retrouvée avec elle. Elle m'a doublée dans la descente. Et puis je revenais sur elle, mais bon. Voilà, elle m'a dit. Hein, elle a énormément souffert à la fin. Bon, elle m'a dit. Hein, elle n'a jamais regardé derrière. J'ai envie de dire heureusement pour elle. Parce qu'en effet, c'était impressionnant à la fin. Elle a fallu qu'il y ait des kilomètres en plus. Mais bon, voilà. Elle mérite sa deuxième place. Dernière question, Martine. Et là, par contre, elle ne concerne pas Martine. Elle concerne Christian Lefèvre. Oui. Christian Lefèvre, qui doit être heureuse quand même le voir là de nouveau arpenter à grandes enjambées les chemins de montagne. Ça me fait plaisir, surtout que bon, je vais quand même faire de grandes séances et partager quelques séances avec lui, c'est quand même plus sympa. Je lui ai demandé, tu te rends compte, une question provocatrice, tu as dû louper quand même au moins une fois une arrivée de Martine. Et il m'a dit non. Il était toujours là, c'est ça? Il a toujours été là. Il a toujours été là, donc moi je suis pas souvent là à son arrivée, c'est dommage, j'aurais aimé le voir. Il m'a dit qu'il avait fait le podium. Ah oui, ça pue la verse, à mon avis. Ça risque pas d'arriver. D'accord. Martine, en tout cas, toute l'équipe de TPS Info hein, est ravie en tout cas hein, que tu répondes bien sûr aux questions. Et puis surtout, toute l'équipe de TPS Info sera derrière toi lors de ce formidable défi donc qui démarre le 19, hein, tu n'en doutes pas, le 19 juillet, à faire en moins de 16 jours, hein, si j'ai bien compris. Voilà, hein, donc on sera là derrière toi, on suivra bien sûr cet événement de premier plan. Merci à toi. Merci. Merci. Ouais.